considérez que la rupture est un acte de haute portée spirituelle, puisque la rupture met fin à une journée de jeûne. Mais ici, cette année, pour la troisième édition, nous avons fait appel aux 10 délégations, aux coordinateurs des 10 délégations, pour venir faire la rupture ensemble. Le sens que nous donnons à ce rassemblement autour du repas de rupture, c'est la reconnaissance du mérite des 10 délégations qui ont travaillé d'arrache-pied depuis le maillage des terrains, juste après la remise du rapport de fusion. Abobo a été régulièrement en mouvement avec notre équipe. Aujourd'hui, nous avons voulu faire la rupture avec toute cette équipe pour leur dire infiniment merci, pour leur exprimer l'entière reconnaissance du président Guillaume Soro. Qui est honoré, mais en même temps, nous le faisons pour montrer aux populations que le président Guillaume Soro est auprès d'eux. Le président Guillaume Soro est avec eux. Le président Guillaume Soro sait de quoi ils vivent. Et nous sommes vraiment satisfaits de cela. À chaque occasion qu'il aura saisi en l'occasion, je serai toujours présent auprès des populations, auprès de mon père Tefou. En ce jour, je voulais formuler des vœux. En tout cas, les imams ont fait des bénédictions, le pasteur a fait des bénédictions. Je voulais les accompagner dans ces formulations qu'ils ont faites, de telle sorte que cette année vraiment soit l'année vraiment du GPS, que ce soit l'année qui va éclairer quand même la lumière, qui va mettre la lumière sur la vie de chacun de ceux qui mènent ce combat-là, et que vraiment ce soit l'année du retour effectif de notre leader, Son Excellence Guillaume Kimbafori Soro, et de tous ses lieutenants qui sont en exil, et de la libération de tous les prisonniers politiques en cette année. Je dirais que cette rupture collective a été une opportunité pour nous, cadres du GPS, pour prier encore une fois Allah subhanahu wa ta'ala de veiller sur le GPS en entier. Surtout que c'est une année où les deux confessions religieuses, les Monsieur chrétiens et Zana, les quel politique a musulmans, demandé? ont Merci. conjointement fait le jeûne. Et il faut dire que c'est une année qui doit être bénie pour la Côte d'Ivoire et surtout pour le GPS. Vous savez que le président Guillaume Soro est toujours en exil, mais depuis l'exil, le président Guillaume Soro arrive à faire bouger les lignes de la politique autrement en Côte d'Ivoire. Et ici, le sens donné à cette rupture, c'est le sens de la reconnaissance, c'est le sens de l'encouragement à redoubler d'efforts parce que c'est par les élections que le président Guillaume Soro deviendra président de la Côte d'Ivoire. Et donc, nous travaillons d'arrache-pied à vendre son image, à vendre son programme auprès des populations. Et cette épreuve sera abordée dans l'esprit d'union, l'union des fils et filles d'Abobo, de toute obédience religieuse et politique. Nous sommes en train de travailler régulièrement à des concertations régulières pour que, au-delà des chapelles politiques, nous puissions renforcer notre leadership à travers l'union sacrée pour aller aborder cette élection, pour redonner à Abobo sa dignité. Guillaume Soro est contraint à l'exil depuis le 23 décembre 2019. Or, selon la constitution ivoirienne, aucun citoyen ne devrait être contraint à l'exil. Tout cela met à mal l'unité nationale. Il est temps que Soro rentre chez lui.